Ouais, Manu, il y a des mecs qui ont quelque chose à te dire. Et Lopez, ouais, il a dit qu'il commençait à casser les couilles au peuple. Attends, je te l'envoie. Ouais, c'est quoi ça? T'arrives comme ça fait 5 ans que t'es là, tu fous la merde comme ça, tu t'es pris pour qui? C'est parce que t'es de l'arbre des mondialistes que tu vas nous casser les couilles, nous. Moi, je te le dis. Moi, c'est Ney Lopez. T'as vu les bagousses que j'ai? Si je te les fous dans la gueule, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Si j'attrape ta vieille, je vais faire tourner sur un truc, tu vois? À plus jamais se remettre. C'est quoi ça? Nous, on s'en bat les couilles de vos histoires de mondialistes, t'as compris? On est pas en Chine ici, ok? Alors méfie-toi ce que tu dis, les paroles. Est-ce que les Français? Il y a des oufs chez les Français. Nous, on a des gitans. Les gitans, nous, on commence à en avoir marre. C'est quoi ce bordel? Tu augmentes les prix comme ça? Tu crois qu'on va payer du gaz et de l'électricité à 4 000, c'est ça? Et mon poing dans ta gueule, tu vas le payer, c'est ça? Continue. Continue à écouter Fall Rabin. Continue à écouter ton pote Atalos. Et ton pote Clefouab. Eux, ils sont cachés. Mais toi, t'es pas caché. Si on revient à 50 000 gitans à Paris, tu vas voir. Bon, à nouveau, envoyer tes gendarmes qui tu veux. Même tes nouveaux blindés, tu vas voir ce qu'on va en faire. Moi, je te le dis. Moi, c'est Ney Lopez. Alors, viens me voir, c'est un problème. On va régler les problèmes à la castagne comme ça. Parce que ton histoire d'augmenter les prix, tu vas pas nous casser les couilles à tous les Français. 67 millions ici. Et putain, s'il n'y avait pas 55 millions de pédés aussi, on y arriverait peut-être à quelque chose. Ouais, c'est pareil, moi, je te le dis, moi. Moi, je te prends, je te casse en deux. Je t'attrape, je te défonce, t'as compris? Toi et ton pote Atalos et puis Klaus Schwab. Ouais, prendre. Et moi, j'encule, que je vois. Mais verrons alors lui, je l'attrape, je lui fais bouffer un arbre, putain de merde. T'as compris? Va pas nous casser les couilles comme ça, non? Mais tu vas voir que tu vas dégager aussi vite que t'es venu, nous, parce qu'on va s'énerver. On va venir te chercher. On va monter à Paname, tu vas voir. T'as compris? Pas énerver les gitans. C'est quoi, ça? Tu vas augmenter les prix comme ça? Et ton oncle, tu vas l'augmenter, ton oncle? Ouais, t'as compris? Alors donne-nous un rendez-vous, on se passe à la castagne. Pour amener même les gendarmes que tu veux, qui tu veux. Y a pas de problème. Même les blindés, tu vois, ce qu'on va en faire en blindés. T'as vu qu'on est costaud, nous? Ouais, t'as compris? Alors écoute bien ce message. On va pas le dire deux fois. Parole de Ney Lopez, le gitan. Du 36 Châteauroux, ouais, t'as compris? Moi, je te le dis. Va falloir te calmer, mon petit Manu. Et tes potes, vous allez vous calmer, mais sévère. Mais ceci. Sinon, tu vois, mes fistons, ah, ils vont se vénérer, ils vont ramener du monde. Ça va mal finir cette histoire. Bon allez, salut. Calme-toi, mec. Moi, je te le dis, c'est un conseil.